Salut à tous, c'est Astronaut et on se retrouve pour le chapitre 9. C'est parti! On était dans la caverne et on comprenait pas trop ce qui se passait. Ces types, d'après toi? Pas ceux qui ont le cœur infidèle, j'imagine. J'ai l'impression qu'Avril ou Thomas Tew, c'est juste de nouveau. Heureusement qu'on est des chasseurs de trésors aguerris. Oula bien, oula oula. Ce pont m'a l'air aussi sûr que tous les autres. Mec, Ouais, il a tenu ah jusque c'est là. le chien. J'étais là, Vraiment hé, pas de j'ai trouvé une confiance. porte, mec. C'est bon, ça tient, allez. Ouais, ça tient genre... Ouais. Bien sûr que si. Par là. Il y a un truc qui... L'énigme, oh putain. Oula. Je suis pas tombé dans un trou ou un truc dans le genre. Ouh là là, ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Fallait Compliqué. seulement lui enlever la main de là. Ouais, maintenant. J'ai un seau. Oh, faut aller remplir d'eau. D'eau. Voilà, il est plein. Tiens. Oui, tiens, prends-le. Je vais le remettre dans cette espèce de grande roue. Quoi? Plus que français roux. Ah, ok. Ok, Bien. je comprends ce qui se passe ici. En rapport avec les trois croix. Ouais. Je crois qu'on est en train de regarder Jésus, notre gentil voleur Dismas, et le mauvais larron Gastas. Ouais. Ça veut dire que la croix blanche est Dismas. Alors la noire est sur Gastas. Ah merde. Ok, je comprends. Hop. Toc. Là, faut actionner celui-là. Tac. Attends. Ça me saoule parce que là, elle est au bon endroit. Attends. Ah, mais attends. I have a dream. Là, c'est juste. Et là, celui-là. Bam. Là, tu le mets là. Ouais, mais t'inquiète. Une gouttière qui va du mécanisme jusqu'à la porte. Ok, alors le seau est bien là. On le laisse. Et bim. Tu crois que c'est tout? Bah, essaie d'actionner l'interrupteur. Ouais, je pourrais. Et là, boum, tu meurs. Attends, attends. T'es sûr que tu veux faire ça? Eh ben, plus trop. Tu meurs. Et là, c'est la mort. Je pense que les croix sont parfaitement au bon endroit.
Alors dans ce cas, c'est le saut qui n'est pas. Oh putain. Ça me saoule tellement. Allez hop. Non, non, c'était bon. C'est pas si compliqué en vrai. Ok, là ça doit être bon. On va tout de suite le savoir. Bah voilà, ça doit être bon. Alors, tu veux actionner l'interrupteur? C'est ouf, hein? Un night kebab au menu aujourd'hui. Ça aurait été good, ça. Alors, dis-moi, si ça fait un test, d'après toi, qu'est-ce que ça testait? Si on sait remplir un souffle. Fallait bien connaître l'histoire de Saint-Dismas, qu'Avry et tout son équipage connaissaient sur le bout des doigts. Pas si compliqué que ça comme test. Mais c'est peut-être pas le seul. J'avoue. Peut-être pas le seul. Ok, j'ai quelque chose pour toi là. Tiens, tu peux te servir de ça pour attraper des prises dans le jeu. Oh, merci, attention, il va se faire écraser, tu crois? Ah non, il s'en va quand même. Attends, et j'en fais quoi? Ah, là-bas, ok. Allez, allez, ici, là. Là. Putain, ils avaient déjà les roulettes à l'époque, c'est ouf. Mais en vrai, ils avaient pas les roulettes. Je pense pas, quand même. Pardon? Oui? Allô? Qu'est-ce qui se passe? Ah, et comment t'as fait ça en fait? Tu m'expliques. Tu sais, on est de la même famille, tu peux me dire. Hein. Tu peux tout me dire maintenant. En fait, je suis vraiment un gros débile. Oula. Ça va, Nathan, tu bugs un peu? Voilà, ça c'est l'autiste. Bonjour l'autiste, ça va? J'arrive pas à monter. Mais putain, mais ta gueule. Vas-y, mais mec, regardez comme je spam là. Hé, hey, mec. Bon, on me dirait, faut peut-être pas spam. Moi, je dirais, mais. Et alors? Bon, bah, les couilles. Ah, enfin, putain. Yeah. peut-être par là. Vois de la lumière par là. Ah, les catacombes. Ça paraît logique. On est sous une cathédrale. Je me le. Ça paraît logique.
Ensuite. Ah, je me suis peut-être trompé d'endroit. Désolé. Reviens. Ah non, c'est bon. Il y a un petit trou là. Il y a un petit trou là. Tu t'attends. Quoi? Écoute. Rien à signaler du côté des dortoirs. À part quelques épis de table vraiment bien tournées, rien. Oh, ils sont déjà là. Oui, madame. Non. On a aussi tout retourné côté nord-ouest. Et vous avez commencé dans le secteur sud? Non. Il va nous falloir une journée pour y apporter la crue. Nadine? Oh putain, alors, non. En attendant, commencez quand même à creuser. J'envoie une équipe sur place immédiatement. Très bien. Raif, quelque chose ressort des manuscrits? On peut parler en privé? Tenez-moi au courant. Ok, bien. On peut parler en privé? Non. Vous savez quoi? Ils ont trouvé une dépendance juste sous la cathédrale. Oui, je sais. Vous l'avez vu? Non. Pourquoi? Parce qu'après le passage de vos hommes, il n'y avait vraiment plus grand-chose à en tirer. Ils ont peut-être eu la main un peu lourde sur la dynamite. On aurait dit un troupeau d'éléphants dans un magasin de porcelaine. Mais ils ont été plus efficaces en 2 jours que nous, en plusieurs mois. Plus efficaces. Mais j'avoue. Je ne peux rien faire avec des gravats. Merci. Je leur dirai de vous consulter avant de prendre les mesures qui s'imposent. Ouais, c'est ouf, hein. Dites-leur plutôt d'attendre que j'ai fini d'examiner les ruines avant de faire quoi que ce soit d'autre. Non, pas question qu'on se contente d'attendre les bras croisés. Avec tout le respect que je vous dois, je pense avoir plus d'expérience que vous dans ce domaine. Yo. On a essayé votre méthode. C'est faux. Vous faites tout ce que vous pouvez pour faire disparaître cet endroit. Non! Moi, je voulais voler cette croix bien avant qu'elle n'atterrisse dans cette vente aux enchères. Celle où vous m'avez empêché de venir avec mes hommes pour parer à toute éventualité. C'était le moyen le moins risqué de mais récupérer cette croix. Mais au lieu de suivre mon instinct, je vous ai écouté. Maintenant, on a des adversaires. Mais je pensais pas qu'ils se pointeraient là. Au contraire, vous vouliez qu'ils viennent. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous fait dire ça au juste? Parce que vous pensez avoir besoin de lui. Bah, il a besoin de moi. Quoi qu'il en soit, je vais pas rester à attendre plus longtemps. Si le trésor est là, il faut qu'on le trouve. Et s'il est pas là, il serait temps de passer à autre chose. Hé. Hey. Ça n'a rien de personnel. Évidemment. Je vous fais signe si on découvre quoi que ce soit. Oh putain, il y a des gardes et tout, ça veut dire. Trop chiant. Avant qu'il le fasse partir en fumée. Faut qu'il se mette à copuler. Ouais, j'avoue. Attends. Tu crois qu'elle avait raison? Sur quoi? Sur le fait que Ray voulait que tu viennes. Du moment qu'elle ne fonce pas, je m'en tape. Ouais. Aucune importance. Ok. Alors là-bas, la suite. Non? De quelle dépendance est-ce que tu crois qu'ils étaient en train de parler? Ça doit être l'une des chambres latérales, parce que là, il y a que nous. Ok, j'ai pas tout compris. Yup. Qu'est-ce qu'il y a ici? Hein? Oh. Voleur. Ok, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ah bon, voilà. Quel boulos. Ouais.
un peu trop haut pour sauter. À moins qu'on ait un... Attends, il y a un trou. Je l'ai laissé dans mon jardin. Oh, zut. Mais attends, t'as un trampoline, toi? J'aimerais bien. On va pas sauter, là, mec. Alors, par où c'est? Oh, là, il y a un truc. Un passage là derrière. Hop. C'est là? Et là, t'es coincé. Ah non, il y a un mur. Putain, c'est ouf ça. Attends. Brain. Bon, il faudrait se décider quel côté tu la prends, mais tu la prends la caisse. Mais mec, cette caisse là, tu... Voilà, comme ça. Pau. Bon, on se rapproche de plus en plus de la cathédrale. De ce qu'il en reste. C'est que c'est de la combien à la base. Ah, ici. Fuck, oui, c'est là-bas qu'on va. Ok. Allez, Nathan. Allez, Nathan. Ok. Je suis passé. Bon, et maintenant. Pourquoi je peux la déplacer? Ah, c'est ça? C'est vraiment ça qu'il fallait faire? C'est qu'il nous laisse tellement de libre cours que... Un pont, on peut faire. Bon bah, moi, les ponts, en soi, ça me dérange pas. J'avoue. Faut pas passer par là. Mais alors, comment on traverse? Par ici. Cet endroit n'était pas en train de s'écrouler de partout, on serait sûrement encore pris au piège. Attends, regarde bien. Putain de merde. Ça devait être un autre test, mais... Tout s'est écroulé dans l'océan. Il y a une île, c'est tout. Pas de nouveau test. Savoir comment on va faire pour passer de l'autre côté. Une plateforme. C'est vrai, il y a une plateforme. Oula. Prendre une note. Ok, oh, j'ai pris une note. C'est cool d'avoir créé. Enfin, je sais pas si c'est des histoires qui existent, mais on verra.
Vas-y, hein, je... J'arrive, attends, calme-toi mec. Laisse-moi deux secondes. Oh la caisse. Pour faire contrepoids sur la bascule. C'est quand même plus lourd que moi. Et là. Oh le co. Je te tiens. Voilà. Merci. Encore un test de réussite. Au point où on en est, j'aimerais mieux tomber dans un autre piège. Tout ce que je veux, c'est qu'on arrive à ce truc. Ok, ça commence à être spectaculaire avec toutes ces statues. Non mais sérieusement, quel est l'intérêt de décorer l'endroit où est enterré ce soir? Donc là, je me suis arrêté contre un mur. Soit on a loupé un épisode, soit Avery s'ennuyait à un point. Oh, ça, je crois que je m'y ferai jamais. Oh là. Tiens, voilà encore une croix. Celle-là a quelques pierres incrustées au moins. Oh ! Touche pas. Quoi ? Pourquoi ? Tu vois pas ? C'est la seule chose qui ait de la valeur dans cette grotte. Bien vu. C'est encore une épreuve. La cupidité. Ouais. Bien son contraire. Ok. Et donc ? Ça va se jouer avec les pièces. T'es sûr de ton coup ? Quasiment, ça fera l'affaire. Attends, une seule d'abord. Ah ouais, j'ai compris. Faites que ce soit ça. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Oh, Madagascar. Putain, une carte, mec. Tu vois de quoi il s'agit ? C'est Madagascar. Regarde, il y a une étoile là. C'est la paix du roi. Absolument. Quel seul enfoiré. Il nous fait tourner en bourrique. De quoi tu parles ? Ce con d'Avery, il nous fait tourner en bourrique. On était censé toucher au but, alors il est où ce putain de trésor, hein ? La paix du roi, c'est bien beau, mais après ce sera quoi ? Le pôle Nord ? Une autre planète ? Nathan. Alors que le paradis se destine aux valeurs et sol. Et il recrutait des hommes. Qu'est-ce que tu racontes ? Avery ! Il recrutait des hommes. Pourquoi il aurait recruté des hommes ? Oh putain, ils ont explosé, il y a des gars, on va tuer. On va tirer. Messieurs, la discrétion, c'est vraiment pas votre fort. Jetez vos armes. Lentement. Ah. J'ai des comptes à régler avec toi. Mais on va travailler avec eux, donc, par la suite, ou ça se passe comment ? Raif, répondez. Je suis au cimetière, là. Et ils sont venus là, Nadine. Je sais, ils sont juste devant moi. Quoi ? Vous êtes où ? Revenez à la cathédrale. Et suivez les trous. J'arrête de suivre les trous. Et les tuez pas avant que je sois arrivé.
peux rien vous promettre. La baie du roi. Oui, mais... où exactement? Il va vous falloir cette croix pour le découvrir. Et puis... on n'est que deux à pouvoir vous dire comment vous en servir. Laissez-moi deviner. Vous deux? Sinon, tu peux t'en remettre à Reif, mais ça risque de prendre des années. Désolée pour vous, mais je suis pas venue pour ça. Apporte-moi le crucifix. C'est pas un crucifix. Quoi? Bah, techniquement, ce qu'on appelle un crucifix, c'est... une croix qui... ouais, bon, c'est pas grave. Le touche pas! Ok, là on reprend la main, on va devoir tirer. Quoi, on tire même pas? Ah oui, parce qu'on a acheté nos armes. Non. Oh non. Ah. Ça tourne. Je vais mourir. Ah, il m'a donné un gros gros coup de poing. C'est le roi qui touche. Ah. Coup de pied, coup de poing, on a carrément mis le feu. J'avoue. Bien. Dynamite.
putain, la musique épique. Oh, go, go, go. Oh putain. Attends, attends. Moi j'ai entendu sniper. Hein, ah, c'est vraiment bullshit, hein. Ouais, je finis. Ouais, ouais. Oui. Hein? J'ai tiré là? Et ça a tiré là-haut? What the fuck? Il est glissé comme un fou là. Oh là. Oh là. Oh yo 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 yo. Il y en a juste là. Salut. Ah, il tire sur l'avion, les bouchous, les bouchous. Vite, vite, vite. Oui, oui, oui. Casse-toi. Là, il y a un truc, là, il y a pas ce jeu. Vite. Ah, non, pas là, pas là, pas là. Putain, c'est genre la lightbox du truc, elle est mal faite, t'sais. Ouyaaah. Ah, dans le dos, tu cours, ouais, tu cours. Vite, solide, dépêche-toi. Allez, allez, vite, vite, vite. Échappé belle, hein? Dieu, ils ont galardé mon coucou, Nate! Heureusement, on n'a rien. Dans combien de temps on peut être à Madagascar?
Alors toujours pas de trésor. T'inquiète pas. Je vois pas pourquoi vous dites ça, regardez. On est riche. De Dieu. Disons que c'est un début. Je pense que le reste est à Madagascar. On a trouvé une pièce dans laquelle il y avait une carte géante de Madagascar sur le sol, alors... Ouais, c'est une bonne piste. Ça commence sérieusement à sentir la chasse aux dahus, ton histoire, fiston. Le trésor n'a jamais été en Écosse, en vérité. Mais à quoi ça servait, tout ça, alors? La croix de Saint-Dismas et le reste... Écoute, je te l'ai déjà dit. À mon avis, Avery recrutait des hommes. La croix, c'était une invitation. Les grottes, c'était juste une sorte de rite initiatique. Oh, on a réussi le test. Voilà, ouais. Ok. Super, c'est ouf. Je comprends pas. Pourquoi est-ce que quelqu'un irait se donner tant de mal pour recruter des hommes? Il fallait bien qu'il se protège. Avery était l'homme le plus recherché de la planète à cette époque-là. Il devait s'assurer que ses recrues étaient dignes de confiance s'ils voulaient protéger leur trésor. Comment ça, leur trésor? C'est vrai. Réfléchis un peu. Thomas Tew était lui aussi un pirate d'exception en ce temps-là. Alors, qu'est-ce que ça pouvait bien lui rapporter de rejoindre les rangs d'Avery? Ce que j'en pense, moi, c'est qu'Avery n'a envoyé de croix qu'à des pirates au moins aussi fortunés que lui. Et s'ils avaient décidé de planquer tout leur trésor? Oh, c'est ouf. Il y aurait de quoi faire passer le putain du Gunsway pour de la petite monnaie. Exactement. Oh, bon Dieu de merde. Ok, alors, où est-ce qu'on ça, c'est de la théorie. Exactement. À la baie du Roi, c'est un endroit où les pirates venaient se réfugier à l'époque d'Avery. Oh, je connais bien, c'est plutôt étendu. T'as rien de plus précis? Eh ben, la salle de la carte s'est complètement effondrée, alors... J'en sais rien. Je peux savoir ce qui te fait rire? Ceux qui survivaient à l'épreuve des grottes, les recrues. Quelle est la seule chose qu'ils pouvaient prendre avec eux? Là, il y a un endroit, une carte, un truc comme ça. Il y a aussi un volcan près de la baie du Roi. Ce qui veut dire qu'on a intérêt à se manier le train. Allez hop, c'est ouf ça. Oh putain, pub, placement de produit. Non, regardez pas. Allô? Ah, salut Nate. Salut chérie. Ouh, bah j'ai essayé de t'appeler plusieurs fois. Tout va bien? Oui, tout va bien, pourquoi? Bah tu sais, on voit que ça, la télé, toutes ces inondations. Peut-être qu'aller en Malaisie pendant la saison de la mousson, c'était pas une si bonne idée. Oui, c'est vrai. C'est vrai que ça nous a pas facilité la tâche, au contraire. On a eu des problèmes avec le matos, mais personne n'a été blessé. L'important, c'est que tout le monde aille bien. Ouais, alors, vous commencez à travailler demain? On doit décaler, pas le choix. À mon avis, il va bien falloir compter au moins 10 jours de plus. Oh, 10 jours? Et c'est quel moment qu'il nous rejoint De prendre un billet pour te rejoindre? Oh, tu sais, ça vaut vraiment pas le coup. Tout va bien, je veux dire... Les gars ont tendance à surestimer les choses. Je suis sûr que ça nous prendra moins de temps que ça. Ok, je vois. Ne précipite pas les choses et fais bien attention. C'est promis, comme toujours. Ah, désolé chérie, mais il va falloir que je te laisse. Jameson est en train de me faire signe. Mito, 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 mito. Mito, 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 mito. De neuf côté satellite, Victor? Pour l'instant, absolument rien. J'ai perdu le signal. Hé, hey, vous savez avec quoi on perd jamais le signal? Le papier. Voilà, cette route-là, elle devrait nous mener droit au volcan. Ça risque de secouer un peu. En voiture, tout le monde. Ok. C'est parti. Eh bien, c'est la fin du chapitre. Alors, qu'on cherche ici? On se retrouve à la prochaine. On se retrouve demain pour le prochain chapitre. Salut. Salut tout le monde.